Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Easy Informatics. Aujourd'hui, nous verrons une nouvelle vidéo qui serait basée sur comment réinitialiser un code MyCardinal, bien sûr si vous en avez un, et que vous n'arrivez pas à vous connecter à cause de votre mot de passe oublié. Donc, dans cette vidéo, je vais vous préconiser une solution qui vous changera la donne. Donc, intro. Tout d'abord, je vais vous laisser le lien dans la description. Donc, je me connecte à mon lien. Donc, je vais attendre et puis je me connecte à mon compte MyCardinal. Donc, je vais attendre. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des procédures de réinitialisation de mot de passe MyCardinal. Premièrement, avec son compte mail. Deuxièmement, avec son numéro de téléphone. Raison pour laquelle on vous a dit, vous avez déjà un compte Canal+, saisissez l'identifiant ou téléphone de votre compte Canal+. Donc, avec votre compte mail, donc je vais créer le mail là en question. Donc, de ce fait, le mail dont je vais changer son mot de passe. Donc, je clique, puis je vais effacer, voilà, le code et puis je clique sur mot de passe ou oublié et je vais attendre. Donc après, ils vont nous renvoyer à une nouvelle page. De ce fait, ils nous demandent de saisir email ou le numéro de téléphone utilisé pour vous connecter à votre compte Canal+. Donc je vais réécrire le même mail que j'avais écrit auparavant. Donc je vais écrire mail que j'avais écrit auparavant, puis je suis l'étape. Donc après, on dit nous vous avons envoyé un email de vérification. Donc je pars dans ma boîte mail. Voilà, vous voyez, on a envoyé mes mots de passe oubliés. Je vais cliquer sur ce lien et voilà. Maintenant, regardez, on dit bonjour, le lien est là. Le lien est là, donc je vais cliquer sur le lien là en question qui se trouve en bas. Donc on dit vous avez demandé une réinitialisation du mot de passe de votre compte Canal+ afin de créer votre nouveau mot de passe. Veuillez cliquer ici. Donc je clique ici et je vais attendre. La page s'affiche. Maintenant, vous voyez mot de passe oublié. Saisissez le nouveau mot de passe. Donc, je vais saisir le nouveau mot de passe. MyCardinal 01. Si vous voulez, vous pouvez afficher hein, et regarder si vous n'êtes pas trompé. Donc, de ce fait, je vais bien écrire. Maintenant, après, je réécris le même code ou le même mot de passe, MyCardinal 01. Je vais regarder si toutefois c'est la même chose. Et puis, je réinitialise. Donc, je vais regarder si je ne me suis pas trompé. Ah, d'accord. On dit que ça doit être différent de 5 derniers. Donc je vais mettre 6 égalé et 6 également. Puis je vais prendre réinitialiser le mot de passe. Maintenant, et c'est OK. Ça s'est réinitialisé. Donc si vous voulez, vous pouvez vous connecter et regarder les chaînes là en question. Donc il faut savoir qu'on peut se connecter facilement, regarder les chaînes. Vous voyez que les chaînes s'affichent ici. Donc vous voyez, vous pouvez regarder les chaînes que vous voulez. Voilà, vous voyez, les chaînes sont là. Voilà, les chaînes que vous voulez regarder en question sont là. Très bien. Donc de ce fait, je vais me déconnecter de celui-là et essayer avec le numéro de téléphone. C'est-à-dire, je vais vous montrer comment faire avec le numéro de téléphone. Donc sans plus tarder, on y va. Maintenant, cette fois-ci,
choisis l'option téléphone. Vu que je suis au Mali, j'ai choisi le Mali. Sinon, dans votre pays où vous vous trouvez, c'est-à-dire dans le pays dans lequel vous vous trouvez, donc vous allez choisir le pays là en question. Vu que je suis au Mali, j'ai choisi Mali. Puis j'écris mon numéro de téléphone. Donc après, je clique sur mot de passe ou oublier. Donc avec le téléphone, on vous envoie l'SMS. Vous reprenez encore le même numéro de téléphone. Voilà. On vous envoie l'SMS à votre numéro et vous mettez ce code de réinitialisation et vous renvoyez. Et le tour est joué. Donc, merci. C'est à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes nouvelles vidéos. Donc, à la prochaine.